Paul Roser reviendra sur le camp de Ravaruska, un camp de représailles pour les prisonniers de guerre qui ont tenté de s'évader durant leur captivité. Ce camp, pour certains, était un camp de concentration. Mais par contre, il était gardé par la Wehrmacht. Edgar Faure va ensuite présenter deux documents relatifs au plan de germanisation des territoires occupés à l'ouest. Dans le premier document, on prévoit d'annexer au Reich le Luxembourg. L'Alsace jusqu'à la Moselle doit également être incorporée à l'Allemagne. La Norvège, elle, doit devenir allemande et un état autonome breton doit être créé. Faure va détailler le processus de germanisation des territoires, dont notamment l'Alsace-Lorraine. Tous les drapeaux tricolores doivent être enlevés. Interdiction du béret basque. Interdiction de la langue française au profit de la langue allemande. Germanisation des noms et des prénoms, même ceux qui sont déjà inscrits sur les pierres tombales. Van der Heusen, un professeur à l'université de Louvain en Belgique, va raconter les conditions de vie difficiles dans son pays pendant l'occupation et va décrire les massacres commis durant la contre-offensive allemande dans les Ardennes en décembre 1944. Emil Reuter, président de la Chambre des députés du Luxembourg, va décrire la germanisation de son pays. Edgar Faure va également parler de la propagande nazie pour inciter les peuples conquis à s'engager dans la Waffen-SS, dans le but de mettre fin à la cause juive pour que la race supérieure puisse régner pendant 1000 ans selon ses termes. Selon certains historiens, la propagande nazie fait partie des crimes de guerre, car elle incite à la haine et à s'engager dans une armée pour combattre un individu. Constant IV, qui est substitut au procureur, termine l'exposé du ministère public français en mettant en cause les accusés Keitel et Jodl. Selon lui, Keitel a volontairement enfreint les articles 46 et 50 de la Convention de la Haye, qui stipule qu'une armée occupant un autre pays doit respecter les individus qui y vivent. Keitel se rend coupable du décret Nuit et brouillard qu'il a signé le 7 décembre 1941. Ce décret a été mis en place suite à l'invasion de l'Union soviétique. Comme les troupes allemandes étaient affaiblies du côté de l'Europe occidentale, il était important pour Hitler de priver de liberté les personnes commettant des attentats contre les garnisons allemandes restées en Europe. On pense à ce moment-là aux communistes, qui depuis l'opération Barbarossa ont commis des attentats contre l'armée allemande. Les coupables, une fois retrouvés, étaient transportés en Allemagne. Il s'agissait de faire peur ainsi à la population et de l'avertir des risques qu'elle prenait si elle tentait une quelconque rébellion. Le 29 janvier 1926, pendant le déjeuner, Keitel n'hésitera pas à dire qu'il maudit le système Nacht und Nebel qu'il a signé. Il dira au psychologue Gilbert : Tout cela était la faute d'Himmler et maintenant on m'imputera tout ce blâme. Gilbert notera dans son carnet, suite à cette phrase, son visage exprimait un air pathétique, innocent. C'est apparemment la ligne de conduite que Keitel s'est fixée pour sauver la face, conformément à son argument favori suivant lequel il n'était que le garçon de bureau en chef et n'avait aucune fonction de commandement. Jodl était tout autant responsable des crimes de guerre. L'accusation va décrire les derniers mois de la France occupée, avec les dévastations de villes et de villages. Elle va citer Oradour-sur-Glane, Maillé, Saint-Dié, Vassieux-en-Vercors, car Jodl porte le poids de ces opérations de nettoyage qui commençaient par des arrestations, puis des tortures, des massacres généralisés des habitants, des pillages et l'incendie des localités. Même les enfants ne sont pas épargnés lors des horreurs des différents massacres. 8 février 1946, c'est au tour du général Rudenko, le procureur soviétique, de prendre la parole. Il va accuser les Allemands d'être des envahisseurs fascistes et affirmer que leur mentalité est une mentalité de cannibales. Il va mettre l'accent sur les souffrances subies par les divers peuples slaves, comme les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, les Polonais, les Tchèques, les Serbes et les Slovènes qui ont été victimes d'exterminations de masse. Pendant plusieurs jours, l'accusation soviétique va expliquer devant la cour à quel point cette guerre a été différente pour l'URSS. N'étant pas signataire des conventions de Genève protégeant un prisonnier militaire en captivité, les soviétiques vont être durement malmenés. Sur les 5 millions de prisonniers soviétiques, 3 millions mourront de faim, de froid, de mauvais traitements, de fusillades, ou feront l'objet d'expériences par certains commandants de camps de concentration.
Un document stipule qu'en juillet 1941, cette décision avait été prise suite à une conférence présidée par l'Obergruppenführer Müller, l'un des chefs de l'Office central de sécurité du Reich, avec le général Reinecke, chef du service administratif de la Wehrmacht, et Lausen, représentant de Canaris, le chef de l'Abwehr. Il avait été décidé lors de cette conférence que les commissaires politiques soviétiques devaient être exécutés et que tous les soldats faits prisonniers devaient être considérés comme bolcheviques et donc exécutés. Lausen, témoin lors de ce procès, expliquera que la guerre en Union soviétique était une guerre idéologique. L'URSS était l'ennemi du national-socialisme et donc il fallait l'éliminer. Le témoin va également expliquer les massacres proférés par les détachements spéciaux de la SS, les Einsatzkommando, qui étaient à l'arrière des troupes qui se battaient sur le front et qui devaient en quelque sorte trier des prisonniers dans les camps de rassemblement. Le 11 février, l'accusation soviétique fait venir à la barre un témoin surprise, puisqu'il s'agit de Friedrich von Paulus, le général fait maréchal durant la bataille de Stalingrad et qui a capitulé le 31 janvier 1943. Sa présence comme témoin va indigner les accusés militaires. Keitel dira au psychologue Gilbert « Alors il aurait dû prendre position avant d'être prisonnier. Il n'aurait jamais dû accepter sa croix de fer, ses promotions de colonel général et de Feldmarschall, son épée ainsi que d'autres distinctions, ni de continuer à adresser des messages au Führer. C'est là mon point de vue. » Je l'ai toujours soutenu auprès du Führer. C'est une honte de sa part de témoigner contre nous. Même Dönitz, l'homme toujours très calme durant le procès, dit « Ils nous ont coûté la vie de milliers de femmes et d'enfants allemands en causant des défections dans nos rangs. » Von Paulus témoigne en impliquant Keitel, Jodl et Göring dans les projets de guerre d'agression. Lors de la suspension d'audience, tous les accusés entrent dans une colère et dans l'après-midi, Göring hurle à son avocat. Demandez à ce sale cochon s'il se rend compte qu'il est un traître. Demandez-lui s'il a pris des papiers de citoyens russes. Après l'intervention de Paulus, l'accusation soviétique semble interminable. Même le juge américain Francis Biddle va demander au président du tribunal qu'il demande que les soviétiques abrègent leur déclaration. Mais cela doit être une décision commune. Tous acceptent, sauf un, le juge soviétique, car pour le procureur Rudenko, cela pourrait être vu comme une manifestation anti-soviétisme. Le président Geoffroy Lorenz, qui depuis le début va bousculer les témoins de l'accusation, va soudainement rester discret avec les témoins soviétiques. Les soviétiques réussiront à mettre dans l'acte d'accusation le massacre de Katyn, même si les alliés, dans un premier temps, avaient refusé de divulguer cette affaire au procès, car on ne savait pas qui était coupable de cette affaire. Les rapports soviétiques démontrent que les Allemands sont coupables de ce massacre, tandis que les Allemands ont un rapport qui démontre que ce massacre avait été perpétré avant leur arrivée. Qui croire dans ces cas-là? Le docteur Stammer, l'avocat de Göring, propose de faire témoigner les soldats allemands qui sont accusés par les soviétiques d'avoir commis ce massacre, mais le colonel Prokofsky proteste vivement. Stammer propose donc de faire venir à la barre le professeur Naville, professeur à l'université de Genève et membre de la commission internationale chargée de procéder à l'examen des cadavres à Smolensk et qui a établi que le massacre datait de 1940. Mais les discussions lors de cette affaire vont être tendues. Tout le monde craint la rupture de l'entente des quatre nations. Trois témoins de la défense et de l'accusation seront entendus, mais rien ne prouve que ni l'Allemagne ni l'URSS ne soient coupables de ce massacre. L'affaire sera donc mise de côté par le tribunal. Ce n'est que bien plus tard, le 14 décembre 1992, qu'on apprendra que l'ordre d'abattre les officiers polonais venait directement de Staline. Pour ce qui est des deux amiraux de la Kriegsmarine, Karl Dönitz et Erich Raeder, tous les militaires alliés les regardent avec respect. Karl Dönitz est quelqu'un de calme. Il n'a jamais été un nazi, mais il était fidèle à Hitler, tout comme Raeder, son successeur qui a aidé à réarmer l'Allemagne, mais qui contredira énormément Hitler sur sa façon de faire la guerre. L'accusé Schacht confirme. Il désapprouvait la guerre agressive et était trompé par Hitler. Mais il n'en avait pas moins préparé les plans de la guerre agressive et l'avait commencé. Voilà bien une mentalité de militaire. Mais Dönitz est accusé de crime de guerre, car l'accusation lui reproche d'avoir ordonné de faire couler sans avertissement au début de la guerre des navires marchands alliés
ou neutre et ordonner aux sous-mariniers de ne pas sauver les équipages des navires alliés et de les éliminer. Pourtant, les journaux de bord des sous-marins attestent du contraire. Par exemple, il y est noté que l'équipage du Laconia avait été secouru par les sous-mariniers allemands et apparemment, il n'était pas le seul. Leur avocat, Otto Kranzbühler, un spécialiste des lois maritimes, va donner l'explication des attaques des U-boats sur les navires marchands britanniques. À mon avis, étant donné qu'on avait autorisé les navires marchands à riposter par les armes à toute attaque, la Convention de Londres n'était plus applicable. Pas plus, du reste, qu'elle ne l'était dans les zones d'opération, réputées dangereuses par définition, et qui rendaient donc inutiles les avertissements individuels. Il va ensuite réclamer le témoignage de l'amiral Nimitz pour mettre en lumière que les deux pays, allemands et américains, ont interprété à leur manière la Convention de Londres et par conséquent que l'attitude du haut commandement maritime allemand était parfaitement légitime. Le juge américain Biddle accepte la requête de l'avocat Kranzbühler et souhaite un peu plus de clarté sur cette affaire. Chester Nimitz, grand amiral de la flotte des États-Unis d'Amérique, chef des opérations des États-Unis, commandant en chef de la flotte dans le Pacifique, confirme tous les dires de l'avocat Kranzbühler. Surtout quand il a annoncé que les survivants japonais, torpillés par un sous-marin américain, n'étaient pratiquement jamais secourus, surtout pour protéger de futures missions ou pour des raisons de sécurité. Grundler et von Manikowski écrivent « Le document de Nimitz fit l'effet d'une bombe. Les juges pouvaient-ils encore reprocher aux amiraux allemands la façon dont ils avaient conduit la guerre sous-marine ?» Maintenant, on va creuser dans les accusations de crimes contre l'humanité reprochées aux accusés. L'accusation américaine fait comparaître à la barre deux témoins capitaux, Otto Ohlendorf et Dieter Witzleni. Otto Ohlendorf sera interrogé sur le sens des termes de Einsatzgruppe et Einsatzkommando. Il répond calmement. L'expression Einsatzgruppe fut employée après accord entre les chefs du RSHA, de l'OKW et de l'OKH pour désigner l'emploi de la SIPO dans les zones d'opération. Ce terme fut utilisé pour la première fois pendant la guerre de Pologne. L'accord avec l'OKH et l'OKW, cependant, ne se fit qu'au début de la campagne de Russie. Cet accord stipulait qu'un représentant du chef de la SIPO et du SD serait affecté au groupe armé ou aux armées, et que ce fonctionnement aurait à sa disposition des unités mobiles de la SIPO et du SD sous la forme d'un Einsatzgruppe subdivisé en Einsatzkommando. Les Einsatzkommando devaient être affectés aux unités de chaque armée suivant leurs besoins, d'après les instructions données par le groupe d'armée ou par l'armée. Ohlendorf a tenu cet accord entre ses mains, car il était le représentant du chef de la SIPO et du SD auprès de la 11e armée. Il confirme également que les Einsatzgruppen et les Einsatzkommando devaient assassiner tous les juifs et les commissaires politiques soviétiques. Il affirme avoir assisté à la conférence de Pretz, en compagnie des chefs des Einsatzgruppen et des commandants des Einsatzkommando. Lors de cette conférence, Streckenbach, du RSHA, a transmis les ordres d'Heydrich et d'Himmler. Ohlendorf explique devant le tribunal la conversation qu'il a eue avec Himmler. Avant le début de la campagne de Russie, Hitler avait parlé de cette mission lors d'une conférence avec les chefs de groupe d'armée et les chefs d'armée. Non, pas les chefs d'armée, mais les généraux commandants en chef, et leur avait donné l'ordre de fournir l'aide nécessaire. Le colonel américain Heyman souhaite une explication sur l'une des phrases prononcées par Ohlendorf. Par conséquent, vous pouvez témoigner que les commandants en chef des groupes d'armées et des armées avaient, eux aussi, été informés de ces ordres de liquidation des juifs et des fonctionnaires soviétiques ? Je ne crois pas que ce soit exact de l'exprimer sous cette forme. Ils n'avaient pas reçu l'ordre de liquidation puisque c'était Himmler qui était chargé d'exécuter cet ordre. Mais au cours de cette liquidation dans la zone d'opération des groupes d'armées et des armées, ceux-ci avaient reçu l'ordre de prêter main forte. De plus, sans ces instructions à l'armée, les activités des Einsatzgruppen n'auraient pas été possibles. Ohlendorf confirmera un autre ordre d'Himmler au sujet des liquidations. Il a confirmé à tous les chefs des Einsatzkommando que personne n'encourait de responsabilité personnelle suite à l'exécution de cet ordre. Seuls Himmler et Hitler étaient responsables. Ohlendorf explique également que le commandant de la 11e armée était le chevalier von Schober, puis von Manstein, et ils donnèrent tous les ordres de liquidation. Ayant assisté à deux exécutions collectives, Ohlendorf va expliquer en détail comment les Juifs étaient assassinés. En prétextant une évacuation, tous étaient emmenés dans un fossé anti-char ou une excavation naturelle. Ils étaient fusillés, puis ils étaient enterrés par des personnes prises dans la population dans l'endroit où ils avaient été assassinés.
Ensuite, les Allemands devaient confisquer les objets de valeur sur leurs victimes, puis les envoyer au RSHA ou au ministère des Finances. Mais à partir du printemps 1942, Himmler a ordonné l'ordre que les femmes et les enfants soient assassinés dans les fourgons à gaz. Le général Nikitchenko pose à son tour des questions sur l'extermination des enfants. Hollendorf répète que c'était un ordre qui prescrivait que toute la population juive devait être assassinée, même les enfants. Mais le général Nikitchenko va demander si les enfants des commissaires soviétiques étaient eux aussi assassinés, ce à quoi il répond que les familles des commissaires politiques n'étaient pas recherchées. Grâce au procureur soviétique, on savait maintenant que ces massacres penchaient dans le registre du génocide. Hollendorf sera interrogé par trois des procureurs, ce qui, durant le procès, est un fait rare. Dieter Witzleni sera à son tour interrogé. C'est le lieutenant-colonel Smith Brockhart, procureur adjoint américain, qui ouvre le bal des questions. Il va demander au témoin s'il connaît bien Adolf Eichmann. Le témoin répond qu'il le connaît très bien, et ce depuis 1934. Il affirme qu'Eichmann était le chef du service de la section 4 de la Gestapo, qu'il a dirigé la section 4A4, qui comprend deux subdivisions, l'affaire des églises et les questions juives. Il avait reçu des pouvoirs spéciaux du Gruppenführer Müller, chef de la section 4, et du chef de la SIPO. Il était responsable de la solution du problème juif en Allemagne et dans tous les pays qu'elle occupait. Il va alors détailler les différentes formes de l'activité contre les juifs, telles que l'émigration organisée de l'Allemagne et les pays qu'elle annexe, la concentration des juifs dans les ghettos de Pologne et les autres pays de l'Est occupés. Il ajoutera. Cela dura approximativement jusqu'au début de 1942. La troisième période fut ce qu'on a appelé « solution définitive du problème juif », c'est-à-dire l'extermination et la suppression organisée de la race juive. Cette période dura jusqu'en octobre 1944, moment où Himmler donna l'ordre d'arrêter cette extermination. Dieter Witzleni confirmera qu'Eichmann lui a montré l'ordre d'Himmler, ordonnant à la SIPO et au SD, ainsi qu'aux inspecteurs des camps de concentration, d'exterminer les juifs, sauf les femmes et les enfants capables de travailler. Il confirme une seconde fois que cet ordre avait été signé par Himmler lui-même. Le dialogue continue entre les deux hommes, et Witzleni explique qu'Eichmann prenait toujours des notes lors des différents entretiens pour les glisser ensuite dans ses dossiers. Pour lui, c'était une manière de se protéger derrière ses supérieurs. En somme, il s'abritait derrière ses supérieurs Müller et Kaltenbrunner lorsqu'il s'agissait de prendre la responsabilité de toutes ses actions. Le lieutenant-colonel Brockhart lui demande s'il sait où il a vu Eichmann pour la dernière fois. Witzleni déclare. Fin février 1945, j'ai vu Eichmann pour la dernière fois à Berlin. Il disait à ce moment que si la guerre était perdue, il se suiciderait. A-t-il dit quelque chose à ce moment-là sur le nombre de juifs qui avaient été exterminés ? Oui, et il en a parlé d'une façon particulièrement cynique. Il disait qu'il sauterait en riant dans la tombe. Car l'impression d'avoir 5 millions de personnes sur la conscience serait pour lui la source d'une extraordinaire satisfaction. C'est lors du procès de Nuremberg qu'on entend pour la première fois le nom d'Adolf Eichmann, qui a joué un des rôles principaux dans ce génocide. À ce moment-là, on le croit mort, vu que le témoin a parlé de suicide. Mais en réalité, les Américains le détiennent sous une fausse identité. Il va s'évader et sera enlevé 14 ans plus tard par les services secrets israéliens qui ont réalisé un procès à son encontre à Jérusalem. Après cette journée sur les témoins Hollendorf et Witzleni, le psychologue Gilbert interroge les accusés dans leur cellule. Chart lui dit « Avez-vous jamais vu un homme à l'air plus droit, au caractère plus honnête ? C'était surtout un homme d'affaires, et voilà qu'il se trouve tout à coup chargé d'un groupe d'action avec l'ordre d'assassiner 90 000 personnes. Mais comment un être décent peut-il en arriver à faire des choses pareilles ? J'aurais dit que c'était quelque chose que je ne pouvais réellement pas faire, et qu'il n'avait qu'à me fusiller, m'arrêter, m'envoyer sur le front, ou faire tout ce qu'il voulait, mais pas ça. » Gilbert se rend également dans la cellule de Göring, qui lui confiera. « Toute l'idée même du complot est boiteuse. Nous avions une Führerstatt. En dernière analyse, de la tête même de l'État, nous recevions des ordres auxquels nous devions obéir. Nous n'étions pas une bande de criminels qui nous rencontrions dans les bois au cœur de la nuit pour tramer des assassinats en masse comme dans un mauvais roman. » Après tout, les quatre vrais conspirateurs manquent. Le Führer, Himmler, Bormann et Goebbels. Ah oui, Heydrich aussi, ça fait cinq. Ce vice-Liceni n'est qu'un petit cochon qui doit toute son importance à l'absence d'Eichmann. Cet Himmler, je voudrais bien le tenir pendant une heure et lui poser quelques questions en tête à tête.
Je ne dis ça qu'à mes confidents les plus proches. Si j'avais pris le pouvoir, je me serais débarrassé de Bormann et d'Himmler. De Bormann en 5 minutes, mais il aurait fallu un peu plus de temps pour Himmler. Quelques semaines peut-être. Gilbert demande à Göring ce qu'il éprouve face à l'ordre de Hitler qui prouve qu'il a ordonné lui-même ses assassinats. Il répond. Ces assassinats en masse, c'est une fameuse honte cela. Je préférerais ne pas en parler, ni même y penser. Mais ce chef de complot... Oh, attendez un peu que je sois lancé là-dessus. Vous verrez un beau feu d'artifice. Ribbentrop, lui, mesure l'impact des témoignages. Notre culpabilité comme Allemand dans les atrocités et les persécutions des Juifs est si énorme qu'on en reste muet. Il n'existe aucun moyen de défense, aucune explication. Du côté de l'accusation française, Edgar Faure est chargé de présenter au nom de la France les crimes contre l'humanité commis en Europe occidentale occupée. Il sera aidé par Isaac Schneerson, qui a créé en 1943 à Grenoble et dans la clandestinité le Centre de documentation juive contemporaine. Ils sont chargés de recueillir tous les documents qui concernent la persécution des Juifs de France. Dans son exposé, Edgar Faure se fonde uniquement sur les documents allemands. L'accusation française n'a aucun témoin pour la partie génocidaire, alors que pour la déportation, elle en a un bon nombre. Il va montrer à la cour un tableau, spécifiant que la condition de vie des Juifs devait diminuer, mais il n'y a aucun texte légal allemand qui ordonne la déportation générale ou l'assassinat des Juifs. Il présente également d'autres documents, comme l'interdiction aux Juifs d'émigrer en Allemagne, et cette interdiction va se généraliser dans tous les pays conquis par l'Allemagne. Edgar Faure commente. Les nazis s'opposent à l'émigration des Juifs, bien qu'ils les prétendent indésirables. La décision est prise à l'échelon supérieur et d'une façon générale à tous les services. Police, armée, affaires étrangères interviennent pour assurer l'exécution de ces consignes. Puis, Edgar Faure présente à la cour un texte de 70 pages retrouvé dans les archives allemandes sur la déportation des enfants d'Isieux. Il déclare que l'affaire avait été discutée par le Hauptsturmführer Brunet et le SS Obersturmbannführer Rodke, et en présence du docteur VB sur le sort de ses enfants. Le télégramme de la déportation des enfants d'Isieux, au moment où il est lu à Nuremberg, on ignore qui l'a réellement signé. La France recherche activement le signataire pour le juger. Il s'agit de Klaus Barbie. Edgar Faure va aussi dévoiler au tribunal la complicité de Vichy en recensant les lois anti-juives proprement françaises. Tout un dossier concerne la collaboration des services de Vichy, avec des documents concernant également la création de commissariats aux questions juives. Une note de Théo Danecker, en date du 6 juillet 1942, est présentée au tribunal et elle concerne la question des enfants juifs. Les pourparlers avec le gouvernement français ont abouti jusqu'à présent au résultat suivant. Le président Laval a proposé, lors de la déportation des familles juives de la zone occupée, d'y comprendre également les enfants âgés de moins de 16 ans. La question des enfants juifs restant en zone occupée ne l'intéresse pas. Je vous demande de prendre une décision d'urgence, par télégramme, afin de savoir si, à partir du 15e convoi de juifs, les enfants en dessous de 16 ans pourront être déportés. La responsabilité de Pierre Laval dans la déportation des enfants juifs est clairement énoncée. À cause de cette décision, les Juifs de France et parmi eux les enfants d'Isieux seront déportés vers une destination inconnue. Pour la plus grande majorité d'entre eux, l'arrivée sera le camp de concentration d'Auschwitz, où ils seront gazés dès leur arrivée. Le 15 avril 1946, Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz, sera appelé par l'avocat de Kaltenbrunner à témoigner pour prouver que son client n'était pas au courant de la solution finale et qu'il n'a jamais été visiter l'un de ces camps. Kaufmann, l'avocat de Kaltenbrunner, lance les questions et Höss va répondre sans osciller. Himmler avait-il visité le camp? Et s'était-il rendu compte lui-même de la façon dont on exécutait les gens? Oui, en 1942, Himmler est venu visiter le camp et il a assisté à une extermination. Du début jusqu'à la fin. En est-il de même pour Eichmann ? Eichmann est venu plusieurs fois à Auschwitz et savait très bien ce qui s'y passait. L'accusé Kaltenbrunner a-t-il visité ce camp ? Non. Avez-vous parlé avec Kaltenbrunner de ces ordres que l'on vous avait donnés ? Non, jamais. Je n'ai vu qu'une seule fois l'Obergruppenführer Kaltenbrunner. On a prétendu ici, et c'est là ma dernière question, que l'accusé Kaltenbrunner aurait donné l'ordre de tuer les internés de Dachau et de deux autres camps à la bombe ou au poison. Êtes-vous au courant d'une telle chose ?
Sinon, croyez-vous qu'elle soit vraisemblable? Je n'ai jamais entendu dire quelque chose de pareil. Je ne sais rien d'un ordre d'évacuation pour la région de Dachau et je considère comme impossible qu'on puisse anéantir un camp de cette façon. Huss apportera d'autres questions sur l'origine du camp d'Auschwitz et sur la construction du camp de Birkenau, qui est situé à 3 km du camp d'Auschwitz. Ce lieu a été choisi car, selon ses termes, il y avait un embranchement ferroviaire de 4 lignes, et comme la région était très peu peuplée, le camp pouvait être facilement isolé. C'est pour cette raison qu'Himmler a choisi Auschwitz pour l'extermination massive des Juifs. Il va expliquer comment les détenus, une fois arrivés, sont ensuite exterminés. Huss pense qu'environ 2 500 000 personnes ont été assassinées dans l'enceinte de son camp. Mais les historiens ont revu ce chiffre à la baisse. Un chiffre qui est de 1,1 million de personnes assassinées, dont 95% de Juifs. Le psychologue Gilbert, après avoir entendu le témoignage de Huss à la barre du tribunal, demande à s'entretenir avec lui. Huss lui dira qu'il vivait une vie normale, qu'il était un solitaire, sans véritablement avoir d'amis. Gilbert lui demandera si ça ne l'avait pas dérangé d'avoir assassiné des Juifs sans savoir s'il méritait un tel sort. Huss lui répond très calmement. Ne comprenez-vous pas? Nous, SS, nous ne devions pas penser à ces choses. Cela ne nous venait même pas à l'idée. Et d'ailleurs, nous considérions comme établi par avance que les Juifs étaient responsables de tout. Même notre éducation militaire et idéologique considérait comme établi qu'il nous fallait protéger l'Allemagne contre les Juifs. Je me demande si Himmler croyait lui-même à tout cela ou s'il me donnait seulement une excuse pour justifier ce qu'il voulait que je fasse. Mais ça n'a pas d'importance. Nous étions tous si entraînés à obéir à un ordre sans réfléchir. Et puis, quelqu'un d'autre l'aurait fait tout aussi bien si nous ne l'avions pas fait. Himmler était si strict au sujet des détails et il exécutait des SS pour de si petites fautes que nous considérions naturellement comme certain qu'il agissait suivant le code strict de l'honneur. Le dernier aspect abordé sur la mort des Juifs qui est mis en lumière lors du procès est celui des ghettos qui se situent à l'est. Le procès va s'attarder sur l'un de ces ghettos, celui de Varsovie, et un document est retrouvé montrant qu'Himmler a donné l'ordre en avril 1943 de liquider cet endroit. Le général SS Strupp, qui est en charge de cette mission, va écrire dans un rapport intitulé « Il n'y a plus de quartier juif à Varsovie », relatant tous les événements et illustrés de photos. Il montre également la bataille qui a eu lieu dans le ghetto de Varsovie, mais également comment elle a pris fin. La situation des Juifs en Pologne est exposée par le journal de Frank, qui sera mis au procès de Nuremberg comme preuve. Hans Frank avoue à la barre. Nous avons lutté contre les Juifs. Nous avons lutté pendant des années, et nous nous sommes permis de faire des déclarations. Mon propre journal m'accable à cet égard. C'est terrible. 1000 années passeront, et cette faute de l'Allemagne ne sera toujours pas effacée. Der Stürmer, journal écrit par Streicher, est également cité dans le procès. Pour les procureurs, ce journal appelle à la violence et à la haine contre les Juifs. Il y a un document qui prouve qu'Hans Fritzsche essayera à plusieurs reprises de cesser la publication du journal antisémite Der Stürmer. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Göring, lui, quand il sera interrogé par Sir David Maxwell Fife sur ses crimes, il dira « Non, une politique d'émigration et non d'extermination des Juifs. Je savais seulement qu'il y avait eu quelques cas isolés de perpétration de ce genre. » Pour ce qui est de l'acte d'accusation sur l'organisation criminelle du parti nazi, le président Lorenz définit une procédure pour suivre l'accusation des organisations. Chaque avocat devra présenter les preuves qu'il souhaite voir produites au procès. Il appellera ensuite les témoins parmi ceux qui seront prélectionnés par la commission. Ensuite, les témoins seront interrogés par l'avocat de l'organisation, puis par l'accusation. L'avocat plaidera et l'accusation répondra. 30 juillet 1946. L'avocat de Saukel, le docteur Servatius, prend la parole pour défendre le corps des chefs politiques du parti nazi. Servatius veut démontrer l'extrême diversité de ces chefs politiques, appelant comme témoin un Gauleiter, un responsable régional, celui de Hambourg, puis présentant des témoins avec des responsabilités décroissantes, comme un Kreisleiter, qui est un responsable de cercle, un Horstgruppenleiter, qui est un chef de groupe local, et un Blocksleiter, qui est un chef de quartier. Leurs témoignages vont permettre de prendre conscience de la diversité des situations régionales. Tous les témoins vont affirmer qu'ils n'étaient pas au courant des crimes, des génocides et des camps de concentration.
Le 22 août 1946, Servatius prononce sa plaidoirie et il va démontrer que les accusations telles que le rétablissement de la dictature, la dissolution des syndicats, la nuit de cristal, les diverses lois anti-juives et les actions contre les églises ne sont pas des crimes de guerre et n'entrent pas dans la compétence du tribunal. Il démontre également qu'il n'y a aucune preuve que le parti nazi a eu la moindre responsabilité dans l'établissement des camps de concentration qui fonctionnaient sous l'organisation d'Himmler et que le parti nazi n'a pas contribué à l'assassinat d'aviateurs alliés ni au génocide. L'avocat émet des doutes au tribunal concernant la totalité de personnes fidèles au parti nazi. 600 000 personnes, c'est le chiffre donné par l'accusation, seraient impliquées ou même conscientes des crimes qui ont été exposés au tribunal pendant des mois. Servatius met en garde le tribunal sur le risque d'inclure un trop grand nombre de chefs politiques dans une organisation qui peut être déclarée criminelle. Et sur les dangers que certains encourent, c'est-à-dire des peines hors de proportion avec les actes commis. Le docteur Horst Pelkman est l'avocat de l'ASS, et il sait qu'avec les preuves qui incriminent ce groupe, il paraît compliqué de le défendre. Mais il va effectuer son travail pour prouver que les SS n'ont fait qu'obéir aux ordres d'Hitler. Il va appeler comme témoin le juriste Morgan, qui devait enquêter sur ordre d'Himmler sur un cas de corruption au camp de Buchenwald. Son enquête visait d'abord le commandant Kor, puis elle va s'étendre à d'autres camps, comme Auschwitz, Sachsenhausen, Oranienburg et Dachau. Morgan a visité ces camps et va même séjourner à Dachau et Buchenwald. Il est donc un connaisseur de l'univers concentrationnaire. L'avocat Pelkman va lui demander l'impression qu'il a eue au sein de ces camps et si pour lui ces camps étaient des lieux d'extermination. Morgan répond : Je n'ai jamais eu cette impression. Un camp de concentration n'a jamais été un lieu d'extermination. Je dois dire que dès la première visite que j'ai faite dans un camp de concentration, j'ai dit que c'était celui de Weimar-Buchenwald, ce fut pour moi un profond étonnement. Le camp est situé sur une hauteur boisée, il y a eu une vue magnifique. Les bâtiments sont propres, fraîchement peints. Il y a beaucoup de pelouses et de fleurs. Les détenus étaient bien portants, normalement alimentés. Ils avaient du hâle sur la peau. Quant au rythme de travail... Le président Lorenz le coupe. De quand parlez-vous ? Je parle du début de mes enquêtes, en juillet 1942. L'avocat Pelkman demande qu'il abrège ses explications, mais Morgan va expliquer que les détenus avaient une vie normale au sein des camps. Ils pouvaient correspondre et recevoir des envois postaux. Il y avait une bibliothèque dans le camp avec des ouvrages disponibles en plusieurs langues. Il y avait des séances de music-hall, des films, des concours de sport et même des maisons closes. Pourtant, le film montré en 1945 et les témoignages des déportés français montrent le contraire. La description faite des camps à Morgan est pour la cour étonnante. Et cependant, le témoignage de Morgan contient une part de vérité. Dans le camp de Buchenwald, la bibliothèque a existé. Les détenus pouvaient recevoir des lettres de leurs proches et la vie était supportable au sein du camp. Mais en 1945, le camp sera différent. Morgan a raison aussi sur un autre élément. Les camps de concentration nazis de la première génération, c'est-à-dire les premiers camps de concentration, n'étaient pas conçus pour exterminer des personnes. Morgan va révéler au grand jour l'existence d'un camp spécial secret à Lublin, où il s'est rendu pour s'entretenir avec l'homme qui le commande, Christian Wirth. Or, l'avocat Pelkman veut des explications au sujet de cet individu, car il ne faisait pas partie de l'ASS. Morgan va expliquer que Christian Wirth était déjà un spécialiste de l'extermination, puisque c'est lui qui a eu la responsabilité de supprimer tous les aliénés incurables selon ses termes, et ensuite il a été chargé de l'extermination des juifs. Une centaine d'hommes sera envoyée auprès de Wirth, mais ces hommes ne proviennent pas de l'ASS, ils sont envoyés de la chancellerie du Reich. Ce sont eux qui ont mis sur pied les premiers centres de mise à mort destinés à la destruction des juifs, comme à Chemnau, Pelzec, ou Sobibor. Le témoignage de Morgan va mettre en lumière le lien logistique entre l'euthanasie et la solution finale. Il sera l'un des premiers témoins à montrer au tribunal la différence entre un camp de concentration vivable pour une minorité de ses détenus à une certaine époque et les centres de mise à mort. L'avocat de la Gestapo, le docteur Merkel, lui, essaie de montrer qu'une partie du personnel de cet organisme était composée d'employés ordinaires et qu'il serait injuste de les inclure dans l'organisation. Le docteur Georges Baum, avec le docteur Martin Laufer, défend les SA. Une tâche un peu plus facile, surtout en montrant au tribunal que suite à la nuit des longs couteaux,
les SA ne sont plus grand-chose. Cela va du sport à l'organisation paramilitaire. Car ils étaient peut-être plus d'un million, mais tout ce qu'ils devaient faire était de marcher au pas. L'accusation contre l'armée tient particulièrement au procureur général Jackson. Mais il ne la vise pas tout entière, seulement 129 généraux. Leur avocat, le docteur Hans Lartenser, fait l'éloge de l'armée, surtout avec l'attentat du 20 juillet 1944, visant à assassiner Hitler. Mais le tribunal ne veut rien entendre à ce sujet. Il va appeler à témoigner au procès trois maréchaux. Walter von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée de 1938 à 1941. Gerd von Rundstedt et Erich von Manstein. Ce dernier sera interrogé toute une journée et il va confirmer qu'il n'a rien vu des atrocités commises par l'armée en Russie. Alors que si vous vous souvenez, en janvier 1946, Ohlendorf a mentionné son nom dans les responsabilités des massacres commis contre les Juifs. Von Manstein répond. Lorsque j'ai pris le commandement de l'armée, j'ai appris que les SS, sans que rien ne soit précisé, auraient prétendument fusillé quelques Juifs. Cela antérieurement à mon arrivée et, je crois, en Bessarabie. Il s'agissait là d'un bruit au sujet de cas isolés. Comme je devais partir le lendemain, j'ai donné l'ordre à mon officier d'ordonnance de faire savoir au chef des SS que là où j'exerçais le commandement, je ne tolérerais pas de semblables cochonneries. Pourtant, Telford Taylor, chargé de l'interroger, lui, montre un document inédit qui lui a été remis par Robert Kempner, prouvant que von Manstein a distribué à ses soldats en novembre 1941 un texte appelant à l'extermination du système judéo-bolchevique et à une punition terrible pour les Juifs. Le témoignage de von Manstein est un peu compromis et il va reconnaître devant les juges qu'il reconnaît sa signature sur le document, mais il dira qu'il n'a aucun souvenir de ce texte. Les juges de Nuremberg vont prendre le verdict concernant l'organisation et promulguent la loi numéro 10 et celle de la dénazification du 5 mars 1946. La loi numéro 10 concerne l'affiliation de certains individus à des groupes criminels ou à une organisation déclarée criminelle. Si le tribunal militaire international reconnaît la personne coupable, elle peut subir l'une des peines qu'il jugera juste à son égard, soit la peine de mort, l'emprisonnement à perpétuité ou une durée déterminée, avec ou sans travaux forcés, l'amende et l'emprisonnement avec ou sans travaux forcés. En cas de non-paiement de l'amende, la restitution de biens mal acquis, la privation de certains ou de tous les droits civiques. Les juges vont décider que les personnes qui n'appartiennent pas à des organisations criminelles soient exclues de cette inculpation, car ces personnes ignoraient les crimes ou les personnes qui ont été contraintes par l'État à en faire partie. De ce fait, la condamnation automatique pour appartenance à une organisation n'est pas acceptée par les juges. Il faut prouver que la personne connaissait les buts de l'organisation à laquelle elle a adhéré. Les avocats de la défense sont soulagés que les organisations ne fassent pas partie de leur préambule. L'un des avocats note. La tension qui régnait depuis de longs mois touche à son terme. Une certaine satisfaction se fait jour au banc de la défense. Nous avons réussi à écarter la première des menaces, la culpabilité collective. Cette hydre est pratiquement vaincue. Les juges commencent à lire le jugement concernant l'inculpation pour les organisations. Celui des chefs passe en premier. Le jugement constate qu'il a été utilisé à des fins criminelles, la germanisation des territoires conquis, la persécution des juifs, l'application du programme du service du travail obligatoire et les mauvais traitements des prisonniers de guerre. Le tribunal déclare criminel, au sens du statut, les groupements composés des membres du corps des chefs qui ont rempli les fonctions énumérées au paragraphe ci-dessus, qui sont devenus ou sont restés membres de cette organisation, sachant qu'elle servait à commettre des actes déclarés criminels par l'article 6 du statut ou qui ont effectivement participé à des crimes. Les juges concluent en jugeant les organisateurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité après le 1er septembre 1939. En somme, ceux qui ont cessé d'adhérer ou ont cessé leur activité au sein du parti nazi avant le 1er septembre 1939 seront exclus des condamnations. Les juges décrivent ensuite les liens entre la Gestapo et l'ASD, qui est composée uniquement de volontaires, et exposent ensuite leurs crimes. La dernière organisation déclarée criminelle par le procès de Nuremberg est la SS. Pour le tribunal, toutes les formations SS, y compris la Waffen-SS dont une partie des hommes n'était pas volontaire, sont jugées comme des criminels.
Les trois organisations qui ne sont pas reconnues comme criminelles sont les SA, qui ont été affaiblies par Hitler lors de la nuit des longs couteaux. Le cabinet du Reich, car après 1937, il n'a pas fonctionné régulièrement, et ce groupe était constitué de très peu de personnes. Donc les juges ne voient pas la nécessité de les condamner collectivement. Pour l'état-major et le haut commandement, le jugement refuse l'accusation de criminalité. Pour le tribunal, l'état-major général et le haut commandement ne constituent tout simplement pas un groupement ou une organisation. Car pour les juges, l'état-major et le haut commandement ressemblent en tout point à l'état-major combiné anglo-américain. Donc cette accusation est nulle et non avenue. L'accusation de criminalité pour les organisations n'a pas été retenue. 31 août 1946. Les 21 accusés du procès font leur dernière déclaration. Göring n'est plus comme il était au début. Il ne défend plus autant son Führer et ne fait plus autant l'apologie du nazisme. Il affirme devant Dieu et le peuple allemand qu'il est innocent. Son action a été guidée par le patriotisme. Tous suivent la ligne de défense qui était la leur tout au long du procès. Désormais, les accusés attendent le verdict final. La tension monte au sein des accusés. Le colonel Andrews a un peu relâché la discipline et autorise les détenus à jouer aux cartes et à bavarder entre eux. Ils peuvent recevoir la visite de leurs femmes et de leurs enfants. Raeder, lui, ne peut pas voir son épouse, car elle est détenue en Union soviétique. Göring a perdu énormément de charisme et dit avec découragement au psychologue Gilbert « Vous n'avez plus à vous inquiéter de la légende d'Hitler. Quand les Allemands apprendront tout ce qui a été révélé à ce procès, il ne sera pas nécessaire de le condamner. Il s'est condamné lui-même. » Gilbert note dans son carnet que Keitel est déprimé et qu'il ne souhaite pas voir sa femme car il ne saura pas la regarder en face. D'autres vont tourner en rond dans leur cellule ou regarder le plafond en s'allongeant sur leur couchette. Ribbentrop, lui, va imaginer certains projets qu'il expose à Gilbert. Ce dernier écrit dans son carnet. La veille de la sentence, il insinua qu'il pourrait écrire tout un livre, peut-être même toute une série de volumes, sur les erreurs du régime nazi, si seulement nous lui en laissions le temps. Il alla même jusqu'à me suggérer que je pourrais accomplir un grand geste historique en intercédant en faveur des prévenus pour que clémence leur fût faite, ce qui leur permettrait d'écrire ses mémoires. Pendant ce temps, les 8 juges et les 4 suppléants délibèrent dans un secret absolu. Enfin, pas tout à fait. Car le juge Francis Biddle a écrit dans ses mémoires comment ils ont délibéré. Les juges prennent leur décision grâce au paragraphe C de l'article 4 du statut qui stipule que le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront pas prononcés que par un vote d'au moins 3 membres du tribunal. L'exécution des décisions des juges dépend du Conseil de contrôle pour l'Allemagne, comme l'indique l'article 29 du statut. En cas de reconnaissance de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de contrôle pour l'Allemagne et ce dernier aura le droit à tout moment de réduire ou de modifier d'autres manières les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Contrairement à ce que souhaitait le juge français, le tribunal n'aura aucun pouvoir sur le régime de ceux qui seront condamnés à la prison, ni même sur les réductions de peine ou les libérations éventuelles. Les juges se réunissent dès le 27 juin 1946, et se réuniront encore 22 fois pour prendre une décision définitive sur le sort des accusés. 8 de ces sessions sont consacrées aux questions juridiques générales. Le juge français Henri Donnedieu de Vabre, un juge discret depuis le début du procès, n'est pas totalement d'accord avec ce qui est inscrit dans la charte et dans l'acte d'accusation. Mais tout le monde à ce sujet est contre lui. Le major général Nikitchenko s'impatiente en lui rappelant qu'ils ne sont pas dans un club de discussion. Les Américains, quant à eux, pensent que si le complot est écarté, alors il faut écarter les crimes contre la paix. Mais un autre débat advient. Comment exécuter les accusés qui écoperont de la peine de mort? Soit ce sera par pendaison, soit ils seront fusillés. Le juge français Donnedieu de Vabre est un peu plus sceptique. Les militaires comme Jodl ou Keitel peuvent être fusillés, tandis que les autres seraient pendus. Mais le major général Nikitchenko refuse la première possibilité. Les juges britanniques et américains sont d'accord pour la peine de mort par pendaison. Finalement, le juge français se plie à la décision de ses collègues. 2 septembre 1946.
L'acte d'accusation commence par définir la culpabilité des accusés. Hermann Göring est le premier accusé. Tous les juges l'estiment coupable des 4 chefs d'accusation et 3 des juges souhaitent la mort par pendaison. Sauf le français Donnedieu de Vabre, qui trouve dans l'ancien Reichsmarschall une certaine noblesse et qui souhaite qu'il soit fusillé. Mais ses 3 collègues sont unanimes, ce sera la pendaison. Concernant Rudolf Hess, les choses vont se compliquer pour les juges, car le juge soviétique souhaite qu'il soit reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Les juges britanniques, américains et français refusent. Ce ne sera que les 2 premiers chefs d'accusation. Le juge français opte pour 20 ans de prison. Les juges britanniques et américains souhaitent la prison à vie, tandis que le juge soviétique souhaite la pendaison. Mais pour éviter que ses 2 collègues ne soient d'accord avec le juge français, Nikitchenko se ravise et opte pour la prison à vie. Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel sont coupables des 4 chefs d'accusation et seront condamnés à mort. Le juge français Donnedieu de Vabre souhaite encore une fois que Keitel soit fusillé, mais les 3 juges restent unanimes. Ce sera la pendaison. Pour Ernst Kaltenbrunner, les discussions sont plus vives, mais les 4 juges le déclarent coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il sera condamné à mort. Seuls les juges britanniques et soviétiques souhaitent ajouter la condamnation pour conspiration. Alfred Rosenberg sera jugé coupable par les 4 juges, pour les 4 chefs d'accusation et sera condamné à mort. Seul Donnedieu de Vabre propose la prison à vie, mais cela sera encore une fois refusé par ses 3 collègues. Quant à Julius Streicher, il n'y aura aucune discussion entre les 4 juges concernant son cas. Il sera unanimement jugé coupable pour les 4 chefs d'accusation et sera condamné à mort. Walter Funk, lui, fait l'objet d'un débat entre les juges. Il sera inculpé de plans concertés ou complots. Mais il sera coupable des 3 derniers chefs d'accusation, qui sont crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 3 des juges souhaitent qu'il soit condamné à mort, mais pas le juge Nikitchenko qui vote pour la prison à vie. Du coup, tous les juges se rangent derrière Nikitchenko et optent pour la prison à vie. Albert Speer, un cas compliqué pour les juges, sera jugé coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Tous les juges ne sont pas d'accord sur la condamnation. Les juges américains et soviétiques souhaitent une condamnation à mort, tandis que les juges britanniques et français plaident pour 10 ans de prison, car ils ont retenu qu'il avait réalisé des actions contre Hitler à la fin de la guerre. Le juge américain Biddle capitule et se range du côté des juges britanniques et français. Ils se mettent d'accord sur 20 ans de prison. Concernant Constantin von Neurath, il n'y aura que très peu de débats à son sujet. Les 4 juges le déclarent coupable des 4 chefs d'accusation et il sera condamné à 15 ans d'emprisonnement. Pour Arthur Seyss-Inquart, il n'aura pas non plus de grands débats et les juges le déclarent coupable de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il sera condamné à mort. Pour Hjalmar Schacht, il y aura des discussions plus mouvementées. Le juge britannique Lawrence souhaite l'acquittement, mais le juge Donnedieu de Vabre et son suppléant Robert Falco estiment que le banquier est coupable des 2 premiers chefs et il propose 5 ans de prison. Mais finalement, Donnedieu de Vabre se range du côté de ses collègues et plaide l'acquittement. Franz von Papen, après de longues discussions entre les juges, sera finalement acquitté. Concernant Hans Fritzsche, 3 juges souhaitent qu'il soit acquitté. Seul le juge soviétique refuse. Finalement, il sera acquitté. À propos de Karl Dönitz, les juges émettent des doutes, car s'ils le condamnent, c'est comme s'ils condamnaient l'amiral Nimitz. Finalement, les juges déclarent Dönitz coupable de crimes contre la paix et crimes de guerre, et le juge français propose 5 à 10 ans de prison, tandis que le juge suppléant américain propose 20 ans de prison. Les juges Lawrence et Nikitchenko sont finalement d'accord pour 10 ans de prison. Les 4 juges se rangent finalement à cette condamnation. Pour Erik Raeder, au vu de son implication dans l'invasion du Danemark et de la Norvège, les juges le déclarent coupable pour les 3 premiers chefs. Mais le juge Donnedieu de Vabre vote contre le premier chef. Il va donc proposer 20 ans de prison, tandis que les juges britanniques et américains sont pour la prison à vie. Nikitchenko, lui, souhaite la peine de mort. Finalement, ils optent pour 10 ans de prison.
Baldur von Schirach est un cas difficile pour les juges. Il sera inculpé pour plan concerté et complot. Du côté français, on propose 20 ans de prison. Les juges Nikitchenko et Lorenz souhaitent la peine de mort, car selon les juges britanniques, von Schirach aurait demandé de bombarder une ville britannique d'intérêt culturel pour venger l'exécution d'Heydrich par la résistance tchèque. Finalement, les quatre juges le condamnent à 20 ans de prison. Alfred Jodl. Les quatre juges le déclarent coupable des quatre chefs d'accusation, mais le juge français est contre la peine de mort, tandis que les trois autres juges y sont favorables. Il sera donc condamné à mort. Lors de la séance du 10 septembre 1946, les Français ne souhaitent pas que Keitel ni Jodl soient pendus. Ils souhaitent qu'ils soient fusillés. Le juge américain Biddle propose que Jodl soit le seul à être fusillé et que Keitel soit pendu. Mais finalement, tous deux seront pendus. De ces délibérations, rien n'a filtré. Personne n'est au courant, pas même les journalistes. Et même les détenus resteront dans le mystère jusqu'à l'heure du verdict. Les 30 septembre et 1er octobre 1946, les forces américaines déploient des troupes dans les rues et devant le tribunal. Quand soudain des voitures blindées arrivent, les quatre juges sortent et se dirigent vers l'entrée du bâtiment. La salle du tribunal est bondée de monde et attend l'entrée des juges. Il y a des journalistes du monde entier, des officiers supérieurs alliés et des représentants des différents Länder d'Allemagne. La lecture du jugement doit durer 2 jours. La matinée du 30 septembre, et ce jusqu'au début de l'après-midi, est consacrée à la description du nazisme, de ses méfaits, de ses crimes et aux preuves présentées contre les accusés. La fin de l'après-midi est occupée par les charges contre les organisations et le jugement. Le matin du 1er septembre, les juges passent en revue le cas de chaque inculpé. C'est à ce moment-là que les accusés sauront s'ils sont reconnus coupables ou non. Les peines, elles, seront annoncées dans l'après-midi. Voilà la description de ces 2 jours que des millions de personnes attendent. Les juges entrent dans la salle du tribunal et s'installent. Le silence est pesant dans la salle. Le président Lorenz informe de la lecture du jugement et tous les 3/4 d'heure, il passe la parole à l'un de ses collègues juges pour qu'il continue la lecture. Mais les personnes présentes dans le tribunal s'impatientent et veulent connaître la sentence des accusés. Les juges rappellent que le procès s'est ouvert le 20 novembre 1945 et a pris fin le 31 août 1946. Tous les accusés ont plaidé non coupables, sauf Martin Bormann qui est absent. Il a été tenu 403 audiences publiques. 33 témoins à charge et 61 témoins à décharge ont été entendus. En outre, 19 des accusés ont comparu personnellement à la barre. Ils décrivent également qu'il y a eu 101 témoins qui ont été entendus sur l'enquête relative à l'organisation, 1809 dépositions écrites, 6 rapports qui résument le contenu d'un grand nombre des dépositions. Au total, il y a eu 38 000 dépositions écrites et signées par 155 000 personnes qui ont été produites en ce qui concerne les chefs politiques. 136 213 pour les SS, 10 000 pour les SA, 7 000 pour l'ESD, 3 000 pour l'état-major général de l'OKW et 2 000 pour la Gestapo. 22 témoins ont été entendus pour le compte des organisations. Plus de 1000 documents ont été versés à charge contre les accusés et les organisations. Tous les débats ont fait l'objet d'un procès verbal sténographié et d'un enregistrement sonore. Les juges expliquent ensuite qu'ils renoncent à l'accusation de complot avant 1937 et refusent de faire des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité une des finalités du complot. Le 1er octobre est consacré aux responsabilités individuelles. Chaque accusé saura s'il est reconnu coupable de plans concertés ou complots, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le premier à recevoir son jugement est Hermann Göring, qui depuis le début du procès occupe la place de vedette. Pendant ses interrogatoires à la barre, il réussissait à répondre sans regarder ses notes. Il faisait des discours qui ressemblaient pour beaucoup à un ultime discours de propagande du national-socialisme. En somme, à un adieu au monde auquel il appartenait et auquel il croyait, celui du national-socialisme. Göring affirmera même lors de ce procès que le monde ne comprend pas ce que l'Allemagne a vécu à cause du traité de Versailles, ni le fait qu'elle a dû se débrouiller seule pour s'en sortir, jusqu'à la catastrophe finale.
Albert Speer ressentira une certaine émotion en l'écoutant prononcer sa défense finale et surtout en le voyant sans ses diamants et ses décorations. Didier Lazard, un témoin français qui suit le procès de Nuremberg, manifeste également son admiration. Son intelligence est rapide et cartésienne. Sa déposition, qui a duré 8 jours, a été étincelante. Contraint au silence pendant des mois, il parle avec volupté. Il expose, commente, évoque un souvenir, précise une date. Avec une mémoire infaillible, dans un ultime débordement de vie, il passe des principes essentiels aux détails les plus menus. Il rit aux conceptions grandioses et semble prendre plaisir à donner le vertige à ceux qui écoutent. Lorsqu'on voit fonctionner son cerveau, on comprend qu'il ait été tour à tour ministre de Prusse, rénovateur de l'aviation allemande, stratège, diplomate et chef du plan de 4 ans, c'est-à-dire dictateur de l'économie. On a parfois l'impression que le président du tribunal n'ose pas interrompre cette voix puissante qui va s'éteindre pour toujours. Surtout, ce que l'on retiendra du procès, c'est le duel entre Göring et le procureur général Jackson. Car Göring, dans un premier temps, réussit à ridiculiser Jackson, au point de l'irriter. Le procureur se plaindra auprès des juges de l'arrogance et de l'attitude méprisante de l'accusé auprès du tribunal. Mais le président Lorenz reste droit et estime que la règle générale est valable pour Göring également. Le procureur Jackson accuse Göring en démontrant avec un document qu'il avait signé que l'Allemagne souhaitait la libération de la Rhénanie. Or, Göring répond tout de suite, en demandant de consulter le document original, et constate que le traducteur a fait une erreur. Il s'agissait simplement d'un document rendant libre l'accès au fleuve et non la libération de la Rhénanie. Jackson s'entête et continue, mais Göring rétorque. Je ne crois pas me rappeler avoir lu quelque part l'annonce des préparatifs de mobilisation entrepris par les États-Unis. Jackson réussira quand même à marquer des points, surtout quand il va parler du pillage des trésors artistiques dans les pays d'Europe, ou même du décret que Göring avait signé pour voler tous les biens et bijoux appartenant aux Juifs. La réponse de Göring n'a convaincu personne, et malgré son talent d'orateur, le public remarque que c'est quelqu'un de dur, mais tous ont une admiration pour Göring. Mais l'heure de son jugement est arrivée. Les souvenirs de ce qu'il a dit pour se défendre font partie du passé de ce procès. À l'appel de son nom, il écoute, tête baissée, avec un doigt sur l'écouteur. Les juges le déclarent coupable des 4 chefs d'accusation, et il est condamné à mort par pendaison. À l'annonce de cette déclaration, il reste impassible, les lèvres serrées. Rudolf Hess, dont on ne sait s'il simule ou s'il est réellement malade, est déclaré coupable des crimes visés par les 2 premiers chefs d'accusation. Il sera condamné à l'emprisonnement à vie. Joachim von Ribbentrop, l'homme qui paraît usé, triste et abattu, est déclaré coupable des 4 chefs d'accusation et sera condamné à la peine de mort. Wilhelm Keitel, l'homme qui ne fera que confirmer tout au long du procès qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, est jugé coupable des 4 chefs d'accusation et est condamné à mort. Ernst Kaltenbrunner, l'homme victime d'une légère attaque cérébrale peu avant le procès, est déclaré coupable des 4 chefs d'accusation et est condamné à mort. Alfred Rosenberg est déclaré coupable des 4 chefs d'accusation et est condamné à mort. Hans Frank, l'homme qui a trouvé la foi catholique en prison après une tentative de suicide, est déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et est condamné à mort. Wilhelm Frick, l'homme responsable du programme d'euthanasie, est déclaré coupable des 3 derniers chefs d'accusation et est condamné à mort. Julius Streicher, dont les écrits ont dégoûté le public, notamment les juges, n'est pas jugé coupable des 4 chefs d'accusation, mais coupable d'avoir commis des actes antisémites dans son journal Der Stürmer. Il est condamné à la peine de mort. Walter Funk, un homme recroquevillé sur le banc des accusés, dont les juges retiennent qu'il n'a jamais joué un rôle dans les différents programmes auxquels il a participé, est jugé coupable des 3 derniers chefs d'accusation et il est condamné à la prison à vie. Hjalmar Schacht est inculpé pour les 2 premiers chefs d'accusation, mais les juges remarquent qu'il n'est pas mêlé aux crimes de guerre ni aux crimes contre l'humanité. Il a même été arrêté le 23 juillet 1944 à la demande d'Hitler parce qu'il pensait qu'il était impliqué dans l'attentat du 20 juillet. De ce fait, les juges décident que l'accusation dans laquelle Schacht fait l'objet ne peut être retenue. Il est jugé non coupable et sera libéré dès la fin de l'audience.
Karl Dönitz, le commandant en chef de la Kriegsmarine, restait calme tout le long du procès et jugé coupable de crimes contre la paix et de crimes de guerre, et est condamné à 10 ans de prison. Erich Raeder, le prédécesseur de Karl Dönitz, qui est impliqué dans la campagne de Norvège et du Danemark, est jugé coupable des 4 chefs d'accusation et est condamné à la prison à perpétuité. Baldur von Schirach, qui pendant le procès éprouvera des remords d'avoir contribué à l'endoctrinement de la jeunesse hitlérienne. Les juges estiment qu'il n'a pas participé au projet d'Hitler visant à une expansion territoriale. Mais en étant Gauleiter de la ville de Vienne, il a participé à la déportation des juifs de cette ville. Les juges le déclarent non coupable pour l'inculpation dont il faisait l'objet, celle de plan concerté ou complot, mais il est jugé coupable de crimes contre l'humanité et est condamné à 20 ans de prison. Franz von Papen, l'ancien officier devenu diplomate. Malgré ses lourdes responsabilités dans l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, à laquelle n'est pas considérée par le tribunal comme une guerre d'agression, les juges ne souhaitent pas retenir l'accusation dont il fait l'objet. Il est donc jugé non coupable. Alfred Jodl est jugé coupable des 4 chefs d'accusation et est condamné à mort. Pour Arthur Seyss-Inquart, les juges décident de ne pas retenir l'inculpation pour plan concerté ou complot, mais le déclarent coupable des 3 derniers chefs d'accusation, et il est condamné à mort. Albert Speer, l'architecte d'Hitler, qui prendra la place de Fritz Todt pour les projets de construction civile et militaire, a démontré tout au long du procès qu'à la fin de la guerre, il était contre les ordres d'Hitler qui voulait effectuer une politique de terre brûlée en Allemagne et dans les pays de l'Ouest, et qu'il n'a donc pas exécuté l'ordre. Le tribunal note également qu'il a eu le courage de prévenir Hitler en personne que la guerre était perdue et qu'il fallait prendre des mesures pour éviter la destruction des moyens de production. Les juges le lavent de l'accusation de plan concerté, complot, et crimes contre la paix, mais le déclare coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est condamné à 20 ans de prison. Quant à Konstantin von Neurath, le prédécesseur de Joachim von Ribbentrop, aux affaires étrangères et doyen des accusés, les juges le déclarent coupable des 4 chefs d'accusation. Il est condamné à 15 ans de prison. Pour Hans Fritzsche, l'homme qui n'avait rien à voir avec les accusés, le tribunal juge qu'il n'a pas incité les Allemands pendant ses allocutions à la radio à commettre des atrocités sur les peuples conquis. De ce fait, il est jugé non coupable. Martin Bormann, qui reste introuvable, est déclaré coupable des crimes visés par les 4 chefs d'accusation et est condamné à mort par contumace. Lors du procès, et grâce aux différents témoignages, il est confirmé qu'Hitler a mis fin à ses jours dans son bunker à Berlin et qu'il a fait disparaître son corps pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi et ne se transforme en trophée. Le tribunal retire son nom de la liste des accusés. Je vous ai dit auparavant que les détenus savaient s'ils étaient reconnus coupables ou non coupables, mais leur sentence, ils ne la connaîtraient que dans l'après-midi, lorsqu'ils seraient appelés un par un pour savoir s'ils étaient condamnés à mort ou non. La presse n'était pas présente lors de cette dernière représentation du procès. Ceux qui, dans la matinée, avaient été jugés non coupables ont commencé à faire leurs valises. Certains d'entre eux ne s'y attendaient pas. Même Fritzsche avait eu peur qu'on le condamne à la place de Goebbels. Mais ça n'a pas été le cas. Le tribunal et les juges ont pu faire la part des choses. Pour tout le monde, le procès semble terminé. Mais le président Lorenz fait savoir que le juge soviétique souhaite une mention dans le procès-verbal stipulant son désaccord concernant les 3 acquittements et la peine de prison à vie pour Rudolf Hess. Car pour le juge soviétique, von Papen est coupable d'avoir aidé les nazis à prendre le pouvoir et d'avoir servi fidèlement Hitler en usant de sa diplomatie pour l'aider à la réalisation des plans d'agression hitlériens. Hans Fritzsche est pour le juge soviétique coupable, puisque son activité a eu une portée considérable dans la préparation et la conduite des guerres d'agression et des autres crimes commis par le régime hitlérien. Hjalmar Schacht, pour le juge soviétique, a pris une part active du pouvoir par les nazis et a collaboré avec Hitler pendant 12 ans. Il a préparé l'économie allemande en vue de la guerre d'agression et a participé à la persécution des juifs et au pillage des territoires occupés par les Allemands. Les 4 nations se sont efforcées de s'entendre durant toute la durée du procès. Mais la guerre froide, qui est toujours restée à l'extérieur du tribunal, va faire son entrée lors du verdict final.
Le psychologue Gilbert est là pour accueillir les accusés dans leur cellule. Il va voir Göring, qui lui dit qu'il est condamné à mort. Gilbert note. Ses mains tremblaient malgré ses efforts pour paraître indifférent. Ses yeux étaient humides et il haletait, luttant contre un effondrement provoqué par l'émotion. Il me demandait d'une voix mal assurée de le laisser seul un moment. Hess, lui, riait nerveusement. Pour le psychologue, Hess n'a pas écouté sa sentence. Ribbentrop, lui, est brisé. Il ne pourra donc jamais écrire ses mémoires. Keitel, lui, reste Keitel et dit à Gilbert « Mort par pendaison ? Je pensais que cela au moins me serait épargné. Je ne vous en veux pas de vous tenir à distance d'un homme condamné à mort par pendaison. Je le comprends parfaitement. Mais je suis encore le même qu'avant. Si vous vouliez bien seulement me rendre visite de temps en temps pendant ces derniers jours. » Kaltenbrunner, lui, ne prononce que le mot « la mort ». Frank sourit à Gilbert et lui affirme qu'il méritait la mort et qu'il s'attendait à ce jugement, mais qu'il a eu une vie heureuse et que tout ça lui a permis de réfléchir. Rosenberg ricane. La corde, c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas ? Streicher, lui, sourit. La mort, naturellement. Tout ce que j'attendais. Vous deviez tous le savoir depuis le début. Funk, lui, n'a pas l'air de comprendre la signification du mot « prison à vie ». Donitz, lui, ne comprend pas sa condamnation, tandis que l'amiral Nimitz, lui, comprend pourquoi. Raider, lui, ne veut pas parler à Gilbert. Von Schirach a un air grave et tendu, et il dit « Plutôt une mort rapide que lente. » Sahokel, lui, transpire et tremble, et trouve sa sentence injuste. Il se met à pleurer. Yodel se conduit en militaire, comme Keitel, et dit « Cela du moins, je ne le méritais pas. La mort, très bien. Il faut bien que quelqu'un porte la responsabilité. Mais ça, je ne l'ai pas mérité. » Seiss Inquart s'attendait à cette sentence, et il l'accepte. Sperr lui confirme qu'il ne se plaint pas de ses 20 ans. « Je vous avais dit qu'il fallait que les sentences fussent sévères, et j'ai admis ma part de responsabilité. Il serait donc ridicule de me plaindre de la punition. » Neurath est incapable de parler, tandis que Frick hausse les épaules et confirme qu'il ne s'attendait pas à autre chose. Pour les acquittés qui ont préparé leurs valises, en revanche, ce n'est pas la même chose. Les policiers allemands les attendent devant la prison pour les arrêter et les traduire devant les tribunaux allemands. Le colonel Andrews leur offre l'hospitalité dans la prison où ils resteront pendant 4 jours et regarderont par la fenêtre les policiers allemands qui les attendent. Fritzsche et Schacht sortent de la prison à minuit et montent dans des véhicules séparés. Fritzsche se rend à la maison de son avocat, mais à peine arrivé, il est rejoint par des journalistes et le chef de la police de Nuremberg. Les Américains vont négocier et finalement Fritzsche peut se promener librement dans la ville sans la quitter. Au bout de 4 mois de liberté, il est traduit devant la cour chargée de la dénazification de Nuremberg et il sera condamné à 5 ans de prison. Il est libéré en septembre 1950, mais 3 ans plus tard, il mourra d'un cancer. Schacht, quant à lui, souhaite rejoindre sa femme qui s'est installée à Nuremberg. Mais la police allemande l'attend et le conduit au poste de police. Son avocat, le docteur Dix, obtient une liberté de circuler dans toute l'Allemagne jusqu'à sa comparution devant un tribunal chargé de la dénazification. Il est finalement arrêté et reste en prison jusqu'en avril 1947. Il est condamné à 8 ans de travaux forcés. Son avocat va faire appel et il sera finalement acquitté. Von Papen sera traduit en 1947 devant le tribunal de dénazification et sera condamné à 10 ans de travaux forcés. En 1949, sa peine est réduite et il passera le reste de ses jours dans sa famille. Il meurt en 1969 après avoir écrit ses mémoires. Dans la prison, tous les avocats des accusés demandent un appel pour que leur peine soit commuée en prison à vie. Certains demandent à ce que leur client meure en soldat. Mais le conseil de contrôle ne peut pas revenir sur le jugement du tribunal. Il ne jouit plus du pouvoir qui accorde ou pas la grâce. Le 11 octobre 1946, toutes les demandes de recours en grâce des avocats sont refusées. Les détenus rencontrent une dernière fois leur famille, mais sous la surveillance de la police militaire. Keitel va écrire ses mémoires dans sa cellule.
mémoire qui couvre la période de 1933 à 1945. Il met la touche finale à son travail. Je fus transféré le 13 août 1945 dans une cellule de la prison de Nuremberg. Et j'attends mon exécution le 13 octobre. Terminé le 10 octobre 1946. Ce n'est pas le 13, mais le 16 octobre que les condamnés seront exécutés. Une délégation constituée de 4 généraux du conseil de contrôle arrive à la prison pour superviser les préparatifs. Aucun membre de l'accusation ne peut assister aux exécutions. Malgré l'opposition des Britanniques, des représentants de la presse pourront assister à la pendaison. C'est John C. Woods, assisté de 2 soldats, qui est chargé des pendaisons. Un journaliste américain est autorisé à visiter les prisonniers dans leur cellule. À 21h30, il voit Jodl écrire une dernière lettre. Ribbentrop, lui, parle à l'aumônier. Saukel, nerveux, arpente sa cellule. Et Göring, lui, semble endormi sur son lit. À 23h40, le gardien regarde dans la cellule de Göring et se met tout à coup à hurler. Le docteur Pflücker, l'homme en charge des prisonniers depuis leur incarcération à Bad Mondorf, court rapidement dans sa cellule. Il scrute le corps de Göring qui ne bouge plus et s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à faire. Dans sa main, il va retrouver le bout de la capsule qui a été croquée par Göring. Il s'est donc suicidé avec une capsule de cyanure. Mais comment a-t-il pu se procurer cette capsule ? Soit il l'avait cachée depuis le début de sa détention sous le rebord extérieur de la cuvette des toilettes, soit elle lui a été remise par Bar Zelewski quand il est venu témoigner, soit il l'a gardée sur lui depuis le début comme l'affirme sa femme. Mais Telford Taylor avance une autre hypothèse. Göring a envoyé des lettres qui sont aujourd'hui conservées aux archives allemandes. Il a envoyé 4 lettres, dont 3 datent du 11 octobre 1946, le jour où il a appris que sa requête pour être fusillé au lieu d'être pendu lui a été refusée, et une lettre qui est sans date. Les lettres sont adressées au conseil de contrôle, à sa femme, au pasteur Gurek, l'aumônier de la prison, et au colonel Andrews. Elles ont le même contenu. Il refuse la mort infamante que constitue la pendaison. Il n'a aucune raison de se soumettre au châtiment tel qu'il a été défini par ses ennemis. La seule façon d'échapper à la pendaison est le suicide. Quant à la capsule de cyanure, Göring affirme qu'il en a conservé 2 tout au long de sa détention. La première était constamment cachée sur lui, et la seconde était dissimulée dans un pot de crème pour la peau. Sur ce point par contre, il est possible qu'il mente, car il a pu être aidé pour dissimuler sa capsule par un des gardes qui était chargé de le surveiller et qui se nomme Willis. Pourquoi le garde Willis ? Parce qu'il était chargé de la surveillance de la pièce dans laquelle étaient conservés les bagages des détenus, et parce qu'il s'était pris d'amitié pour Göring. Même son épouse le considère comme un ami, et il a reçu de la part d'Hermann Göring un certain nombre de cadeaux. La nouvelle de la mort de Göring n'est pas secrète, puisque les autres accusés seront prévenus, ainsi que les généraux du conseil de contrôle et les aumôniers. À minuit, le colonel Andrews, accompagné de 2 témoins allemands désignés par le conseil de sécurité, d'un officier américain et d'un interprète, vont dans chacune des cellules lire la sentence. On sert ensuite leur dernier repas aux condamnés et on leur lie les mains pour éviter un nouveau suicide. Le colonel Andrews conduit les témoins de l'exécution dans le gymnase de la prison, où sont dressés sur une plateforme 3 potences. Le premier à être exécuté est Joachim von Ribbentrop. Il est conduit entre 2 gardes au gymnase. Un Américain lui demande ensuite de décliner son identité. Il grimpe les 13 marches, puis le garde lui demande s'il a une dernière déclaration à faire. Ses derniers mots sont « Que Dieu protège l'Allemagne et qu'il ait pitié de mon âme. Mon dernier souhait, c'est que mon pays retrouve son unité et que l'Est et l'Ouest s'entendent pour la paix du monde. » Un garde lui lie les jambes. Le bourreau lui recouvre la tête, puis passe le nœud coulant autour du cou. Après une dernière prière du pasteur, la trappe s'ouvre. 10 minutes plus tard, un médecin américain et un médecin soviétique disparaissent derrière le drap noir et confirment la mort de Ribbentrop. Le scénario va être le même pour les 9 autres condamnés à mort. Les derniers mots de Keitel sont « Je prie Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié du peuple allemand. Plus de 2 millions de soldats sont morts avant moi. Je vais rejoindre mes fils. Je donne ma vie à l'Allemagne. » Les derniers mots de Kaltenbrunner:
J'ai servi mon peuple et mon pays de tout mon cœur. J'ai fait mon devoir comme ma patrie l'exigeait. Je regrette que ceux qui nous ont gouvernés en ces temps troublés n'aient pas agi en soldats, et que tant de crimes aient été commis. Mais je n'y ai pris aucune part. Vive l'Allemagne. Rosenberg, lui, refuse de faire une dernière déclaration. Franck murmure au prêtre. Je vous remercie pour la façon dont j'ai été traité pendant ma détention. Je prie Dieu d'avoir pitié de moi. Frick, lui, a un ton plus ferme pour sa dernière déclaration. Vive l'Allemagne éternelle ! Julius Streicher a refusé de se vêtir et s'est littéralement fait traîner vers la potence. Il refuse tout d'abord de dire son identité, puis crache à la figure du bourreau et dit « Les bolcheviks vous pendront bientôt !» Puis il monte vers la potence et crie « Fête de Pourim, 1946 !» Il compare son jour de châtiment à la fête que célèbrent les Juifs en souvenir d'avoir été sauvés de la mort par la reine Esther et Mardoché. Mais au moment où le bourreau met la cagoule, il dit « Je suis proche de Dieu, Adèle, ma chère femme !» Fritz Zaokel, agité, fait une dernière déclaration. « Je suis innocent. Cette condamnation est une erreur. Que Dieu protège l'Allemagne et lui rende sa grandeur. Vive l'Allemagne !» Alfred Jodl a fait comme Keitel. Il a nettoyé sa cellule avant qu'on vienne le chercher. Il apparaît en uniforme et sa dernière déclaration est « Adieu mon Allemagne !» Arthur Seyss-Inquart, qui est le dernier, déclare « J'espère que ma mort sera le dernier acte de cette tragédie qu'aura été la Seconde Guerre mondiale, et que chacun saura en tirer la leçon qui convient pour rétablir la paix et l'entente entre les peuples. J'ai foi en l'Allemagne. » Les corps sont ensuite alignés au pied des potences. On y ajoute celui de Göring. Puis un photographe américain va photographier les corps qui sont dans un cercueil en bois. Un camion va les transporter au cimetière est de Munich, où ils seront incinérés dans le plus grand secret. Les cendres sont ensuite dispersées dans l'Isar. Les grands criminels nazis n'auront donc pas de sépulture pour éviter que des partisans nazis ne viennent développer un culte à ceux qu'ils considèrent comme des martyrs. Le 18 juillet 1947, les 7 condamnés à des peines de prison sont transférés dans la forteresse de Spandau, où ils seront les seuls occupants et seront surveillés en alternance avec les gardes britanniques, français, soviétiques et américains. Leurs peines peuvent être réduites si les 4 puissants sont d'accord. Constantin von Neurath sera libéré le 6 novembre 1952 et il mourra le 14 août 1956. L'amiral Erich Raeder, condamné à la prison à vie, sera relâché le 26 septembre 1955 du fait de son grand âge. Il mourra le 6 novembre 1960. Karl Dönitz quitte la forteresse le 30 septembre 1956. Il a purgé sa peine et meurt en 1980. Walter Funk, qui est condamné à la perpétuité, est libéré le 16 mai 1957 pour raison de santé. Il meurt le 31 mai 1960. Baldur von Schirach et Albert Speer sont libérés le 30 septembre 1966. Von Schirach meurt en 1974. Speer, lui, commence une carrière d'auteur à succès en publiant 3 best-sellers. Il meurt en 1981. L'immense forteresse n'abrite plus qu'un seul homme, Rudolf Hess. Les 3 puissances occidentales souhaitent qu'il soit libéré, mais c'est sans compter avec les soviétiques, qui ne souhaitent pas qu'il soit libéré. Finalement, Rudolf Hess est retrouvé mort en 1987. La thèse du suicide est privilégiée, mais le doute subsiste encore de nos jours. C'est ainsi que s'achève ce procès. Un procès qui aura marqué l'esprit de toute une génération, car il aura été le premier grand procès international de l'histoire. Il y aura également un autre procès, qui est moins connu, pour juger les crimes japonais. Ce sera le procès de Tokyo, où là aussi le monde s'apercevra des atrocités commises par les Japonais dans les pays conquis ou contre les soldats alliés faits prisonniers. Moi, j'imagine mes arrière-grands-parents suivre le procès de Nuremberg. Après avoir vécu pour mon arrière-grand-mère l'occupation allemande et pour mon arrière-grand-père le fait d'avoir été fait prisonnier de guerre en Allemagne, il n'a pas connu la maltraitance.
mais il n'était pas nourri comme il le souhaitait. Une fois libéré de son camp de prisonniers, il a toujours répété à ses petits-enfants « Je n'en veux pas aux soldats allemands, car ils ne faisaient qu'exécuter les ordres qu'on leur donnait. Mais j'en veux aux dirigeants nazis, parce que c'est à cause d'eux que j'ai perdu 5 ans de ma vie derrière les barbelés. »